Bonjour à tous. Alors, du coup, on se retrouve pour une seconde vidéo sur ce jeu-là. Alors, Explosion, à mon avis, je crois que c'est dans les options. J'ai dû mettre les sous-titrages pour tout et du coup, ça me met. Alors, c'est voilà, mode économie, affichage. Non, c'est pas là. Retour, gameplay, non. Clavier, souris, non. Arrière, manette, audio, sous-titres, test complet. Voilà, il faut seulement que je mette sous-titrage seulement. Parce que l'explosion, c'est quand vous entendez boum. Et voilà, en fait, ça correspondait à ça. Alors, reviens ici. Là, je vais pouvoir prendre. On va prendre E. Alors, les Allemands, c'est eux qui y a le plus de dinosaures. Et puis, bah, c'est ça que j'ai envie de tester. Voyons voir, il nous propose quoi. Ah, j'ai bien envie de tester ceux-là, ils ont l'air marrants. Alors, par contre, la vue, elle est un peu moche. Il fait quoi? On dirait qu'il est en train de pisser. Et ouais, non, c'est pas top. J'aimerais pouvoir vraiment changer de classe. Je sais pas du tout comment on fait. Oh, il pisse lui. Regardez ça. Alors du coup là on a la zone, si je me trompe pas. Allez, je me suis fait tuer. J'ai quand même reçu à en tuer. Bon, je prends pas la tête. On revient directement au menu. Cette partie-là, je crois que c'est celle où j'étais tout à l'heure. Alors, on va essayer de prendre une autre. Partie. Alors, on est tous sur la 6. Alors, je vais aller sur celle-là. J'espère que ce sera une autre carte. Et puis finalement les dinosaures c'est pas terrible. Après le jeu en lui-même je le trouve pas fameux. Et je préfère les alliés. Alors moi le snipe c'est plus mon truc. Alors je vais prendre ça et puis là on peut sniper. C'est ça qui m'intéresse le plus que ce soit dans les FPS ou dans bah, les tirs à longue distance c'est vraiment mon kiff quoi. Précision, efficacité. Ah, c'est un petit dinosaure.
Ah, c'est marrant, c'est des affiches. D'accord, des bijoux avec des trucs de dinosaures, des œufs de dinosaures, c'est ça? Non, je sais pas trop. Ah bah là, la partie, elle était complètement finie. Alors, spectacle, nombre, moi je veux rester les alliés. Et là, c'est une nouvelle map. Et là, ça... Oh! Un diplodocus ou je ne sais trop quoi. Je suis pas spécialiste dans les dinosaures. Alors, si vous savez, je vous laisse me dire quelle race de dinosaures c'est. C'est parti. Alors là, il faut aller prendre le point A et le point B, je suppose. Il est où lui? Oula, désolé. Ah, j'étais tué. La pauvre, elle a une sale tête. Bon, c'est vrai que je suis pas du tout fan de ce jeu-là. Je pense que après cette partie-là, ce sera la dernière vidéo et que le jeu va, il va pas rester dans mon inventaire, dans ma bibliothèque, du moins. C'est vraiment dommage que j'arrive pas à changer de classe, ça se trouve après c'est tout bête, il y a un truc à faire. Bon, je vais quand même j'ai essayé de revenir sur cette partie-là, mais je vais prendre une autre classe. Alors si je vous quitte à chaque fois, ça va être un peu chiant. Je dois être là, je crois, non, là, hein. Oh, la pauvre dame, c'est elle a quoi sur elle là? Pas grand chose. Et lui, il a l'air de bien baver. Alors, je vais prendre une grosse mitrailleuse là cette fois-ci. Voilà. Fini de tirer, toi? Y'a pas une troupe de sang quelque part? Je pensais que c'était une grosse mitrailleuse, mais non. Just the baby lizard. Par quoi là, je vois pas très bien. Allez, ouais, monsieur, non, ça c'est un peu. Super, comment c'est.
Ok. Alors voilà, c'est le type de jeu que j'aime pas trop, les mecs planqués à droite, à gauche, et paf, ils tuent. Ça, c'est vraiment des mecs qui ont l'habitude de jouer. Alors, il y a un truc, un jeu que j'adorais, moi, c'est Halo et que j'adore toujours. Et puis dans ce type de jeu, bah, il y a un équilibre des gens. C'est-à-dire par rapport à votre niveau et votre expérience. C'est un truc assez bien géré et du coup, vous tombez pas sur des gens carrément plus balèzes que vous. Enfin, je vais pas en faire un débat dessus, mais. Bungie ou Bungie, non Bungie, moi je dis. Ils ont, sur ce système-là, ils avaient fait un mode de classement qui était assez remarquable comparé à d'autres jeux. Parce que c'était seulement le niveau. Par exemple, Call of Duty, peut-être Prestige 3, bah, où je jouais avec des gens de Prestige 3, peu importe le nombre d'heures ou l'efficacité de votre gameplay. Vous êtes avec les mêmes personnes et c'est ça qui est un peu dérangeant quoi. Je connaissais des personnes qui jouaient énormément au jeu mais qui n'étaient pas bons et qui avaient un prestige plus élevé que moi. Et moi, au final, j'ai pas énormément. Je me retrouvais avec des joueurs assez faibles. Ah, raté. Bon, je me retrouvais avec des gens assez faibles niveau gameplay. Alors j'ai trouvé une petite planque là. D'accord, ils ont carrément des lance-flammes. Aïe. J'ai pas fait gaffe là. Bon, moi je vais pas vous cacher, ce jeu là me plaît pas vraiment, alors je vais vous laisser sur cette fin là et on se retrouve pour d'autres vidéos puis j'espère me pleurer un peu plus sur d'autres jeux. Allez, ciao!